Encore. C'est super. Pauvres, ils sont en train de s'en prendre mais plein la gueule. Donc là, il nous en faut 20. Et 3 en tout. Bon, pour les 3 empennages, ça va être mort. Il faudra que je puisse en préparer un deuxième. C'est obligatoire. J'y arriverai jamais à faire ce truc-là. C'est juste pas possible.
Oh, pour une fois, ils nous ont pas... Après la destruction du campus, j'ai caché mes élèves dans une maison abandonnée au bord de la rivière. Nous avons réussi à survivre dans un moment, en chassant des rats pour se nourrir. Nous avons creusé des passages dans les murs du sous-sol pour nous déplacer de maison en maison sans danger, car les bombardements et les tirs des tireurs d'élite ne cessaient jamais. Mais l'obscurité humide et la peur constante d'être enterré vivant a fait sombrer certains esprits brillants dans la folie. Dans la partie précédente, c'était super dur de les soigner et tout. Et dans celle-là, là, ils ont. Elle a veillé et elle est quand même soignée. Bon, je devrais pas m'en plaindre, mais quand même. Putain, j'ai quasiment que dalle à y changer.
Ce n'est pas d'armes, je veux juste échanger. Ah bah tu vas attendre. Je sais que vous êtes là. Nice. Merci. Laissez-moi entrer, on pourra faire une bonne affaire. Ouais. J'arrive. Ah non, mais je voulais faire le contraire, moi, en fait. Ah putain, il manque 20 bois.